Et coucou les copinous, on espère que vous allez bien ce petit mercredi. Mets tes chaussons là ma puce. Il est 8h je crois, un truc comme ça, ouais, 8h tout pile. On vient d'arriver avec Maëlys, on est parti amener Myron à l'école, Charlie au travail, Allison elle c'est le papa de sa copine qui l'a pris parce qu'elle avait son gros projet d'art plastique qu'elles ont fait la dernière fois. À amener, donc voilà, elle pouvait pas prendre le car. Et quand elle m'a dit tu m'amènes maman, j'ai dit mais je t'amène comment ma fille, je dois amener ta soeur à 8h, ton frère à 8h, déjà c'est la course à chaque fois. Donc du coup ça va, le papa de sa copine les amener. Coucou, et nous on va faire notre petit déjeuner. Voilà, en amoureux the en amoureuse si. Je te fais d'un amoureuse. Pardon. Mamie, coup de boule. Hein? On fait ça en amoureuse? Oui. Oui. Avec ta tête de réveillée, là. Bon, donc, on va prendre le grippin. On va regarder le Grinch. Les petites tartinettes. Tu veux regarder le Grinch? Oui. Il faut regarder s'il est sur Netflix, sinon, il faut aller chercher le Chromecast en haut. Non. Moi, j'ai juste un petit coup d'aspi à faire. Je vais regarder pour ce matin. Didi. Je veux dire. Ah, d'accord. Moi, j'ai juste un petit peu d'aspi à faire pour ce matin. Demain, je ferai le reste. J'amène ça là-bas, Nutella. Oui, je descends Nutella. Oh là là, ça y est, Maëlys s'est réveillée. Il faut se réveiller. Ça n'attendra pas. Donc ça, il faut que j'aille déposer un truc à Andrew. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va y aller. Il faut que j'aille payer la deuxième partie de la réparation d'ordinateur. Voilà. Mais bon, au moins après, ce sera fait. On sera tranquille. Parce que mine de rien, on est le 5. Ouais, non, je l'aurais dit avant le 10, donc ça va. Je vais y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Et ce sera bon, vu qu'on a eu le butin de commission, ça y est, qui est arrivé. Maman, donc ça me paye plus que maman, ma réparation. Donc c'est cool. Oui, mon ange, on ira aujourd'hui. Oh. Elle a juste envie de rien faire, elle. C'est le mercredi. Mercredi, laissez-moi tranquille. Je veux pas bouger de la maison. Et ouais, je sais, mon cœur, mais c'est ça hein, dans la vie. Il y a toujours quelque chose à faire, voilà, toujours quelque chose à faire. Mon Dieu, je vois l'état de mes vitres. J'ai envie de pleurer. Oui, Phoenix, dès qu'il veut rentrer, il saute. Et vu que c'est humide tous les matins maintenant, voilà quoi. Je ne sais pas si vous avez pas fait voir hier non plus, mais j'ai enlevé aussi toutes les photos qu'on avait. Vous savez, il y avait plein de photos. Ça m'a gonflé. Ça m'a carrément gonflé. Hein? Ouais, je vais le défaire le truc. Ça m'a clairement gonflé. J'en avais marre d'avoir ça sur les murs. Voilà, j'avais mis ça pour remplir un petit peu. Donc ça fait vide. Mais c'est pas grave, on va voir. Je vais regarder un petit peu Pinterest, tout ça. Qu'est-ce que j'aimerais un petit peu mettre comme déco, on va dire. Et puis on prendra petit à petit parce que ça m'énerve vraiment. Ce bureau, c'est pareil. Je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Bref. Oui, vas-y. Il n'est pas allumé. Mais c'est normal, si. C'est quand on passe que ça s'allume, mon ange. C'est bon? Hop. Bon, je vais chercher le reste. Il y a quoi à prendre, du coup, là? Le Nutella, c'est bon. Ben non, moi, je mange pas de Nutella. Et moi, je prends du lait. Et moi, je vais me prendre déjà un verre de lait. Il faut en prendre un là-bas de lait. Ben oui. Du beurre pour moi. Non, ça, c'est suffisant. Tu veux prendre un verre de lait aussi? Non, merci. Moi, je vais prendre un chocolat chaud. Non, merci. Ça est de la confiture que je ne sais pas où elle a disparu. Il me faut une cuillère rouge. Moi aussi, j'en ai besoin. Moi, je vais me faire un petit café. Maman, tu peux me donner le truc au chocolat, là? Le talc au chocolat. Le talc, bien sûr. Chocolat en poudre, ma fille. Chocolat en poudre. Le talc. Le talc. Le talc, c'est pour quoi? C'est pour les fesses des bébés quand ils ont les fesses rouges. Ah. Je te mets du talc. J'en peux plus, cette gueule. Oh, punaise, le talc, elle m'a sorti. Donc, allez, petit café pour moi. Si on veut les deux autres, on les a mis deux. Ah ouais. Café. Attends, on va attendre que l'eau chauffe. Je vais pas prendre mon smoothie maintenant. Vous savez, maman, ce petit smoothie. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, c'est maman et moi, et à chaque fois, ça change. Non, mais toi, là, oui, mais le fond d'écran. Ça, c'est le écran de veille, ça s'appelle. Oui, comme ça. Mais des fois, là, toi et moi. Dessus. Ah. Donc, je vous disais que quand on a été au meet-up, on avait eu ça.
dans les 400 euros de produits gratuits dans notre box. Et en fait, c'est une poudre minceur, voilà, hein, qui va venir nettoyer, etc. C'est à base de spiruline, épinards, basilic, protéines végétales, donc noix de coco, potiron, pois, des graines de chia, fibres d'acacia, bananes, gingembre, piment de cayenne. Donc tout ça va venir nettoyer tout ce bazar à l'intérieur de ce qui se passe en ce moment dans mon bide, puisque ça fait plus de 15 jours que je ne mange pas de fibres du tout. Mais genre, quand je vous dis pas de fibres du tout, c'est j'ai pas mangé, je crois, de légumes depuis 15 jours, mais genre vraiment. Donc du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit je vais attaquer ça, pour histoire de m'apporter un petit peu de fibres et de pas avoir un carnage là à l'intérieur. Et ça joue aussi sur l'effet coupe-faim, voilà. Parce que vous savez que voilà, moi, dès que ça va pas, je bouffe mes kilos émotionnels, etc. Et du coup, c'est la catastrophe, je ne ferai que manger. Et je voulais juste vous faire un petit retour parce que ça marche vraiment bien, même au niveau coupe-faim. Ce que je fais, c'est que quand je vois que je vais avoir une petite fringale, vous savez, vous sentez quand ça arrive, la petite fringale et tout, hop, je me fais ça, je me le bois doucement, tranquillement, et c'est vrai que ça cale vraiment la faim. Et même au niveau du transi, malgré que je ne mange pas de fibres, c'est rentré un petit peu dans l'ordre, ça va un peu mieux, donc je suis bien contente. Et ben, du coup, ça fait une détox aussi au niveau du corps. Donc franchement, je suis très contente de ça. Normalement, ça fait partie d'un trio. C'est vraiment pour une perte de poids. Il y a deux autres produits qui sont avec, normalement, pour vraiment que ça marche en symbiose et que ça vous fasse activer la perte de poids. Mais moi, du coup, celui-là, vu que je l'ai eu comme ça tout seul, je me suis dit que j'allais le tester comme ça. Et vraiment, ça fonctionne très bien. Et bien évidemment, on avait eu les gummies de la nouvelle marque qui sont arrivées ben, la semaine dernière. Ça fera une semaine demain. Et je suis très contente parce que malgré les variances de température qu'on a, j'ai eu commencé à avoir mal à la gorge, etc., me sentir un peu patraque. Et le lendemain, j'avais plus rien. Alors, je les ai attaqués avant d'avoir mal à la gorge, etc. Hein, donc c'est pas juste j'ai pris ça, c'était magique, ça allait mieux. Non, ça fait depuis le meet-up, donc plus de 15 jours. Il m'en reste que quelques-unes dedans. C'est deux par jour. Et en fait, on a vraiment cette marque qui est arrivée pour pallier à tous les soucis d'énergie, vous savez, la fatigue, etc. Immunité, du changement de saison, quelque chose pour booster, quelque chose aussi pour vous aider au niveau du sommeil. Il y a des gummies qui sont sorties de cette marque pour voilà, apaiser, aider les personnes. Elles les prennent avant d'aller dormir. Et ça fonctionne apparemment très, très bien. Moi, je n'ai pas testé celle pour le sommeil puisque je vous avoue qu'en ce moment, le soir, je tombe comme un gros caca. Clairement, je suis épuisée. J'ai l'impression d'être morte le soir. Il se monte au lit. Des fois, je m'endors carrément assise au canapé. Bref. Et donc, moi, je me suis dit que vu mon état du moment, booster mon immunité, ce sera vraiment, vraiment pas mal. En plus, c'est des petites gummies qui sont toutes molles comme ça. Elles sont toutes molles et elles sont trop bonnes, je trouve. Parce que ça a vraiment le goût de plantes qui les composent. En fait, il n'y a pas de truc en plus. Celle-là, c'est... arôme naturel de sureau et de yuzu. J'aime trop. J'adore le goût de ces trucs. C'est comme des petits bonbons, vraiment, pour moi. Bref, tout ça pour vous dire que franchement, on a plein de petites pépites qui sont arrivées là pour le changement de saison, booster l'immunité, tout ça, réguler un petit peu le sommeil, tout ça. C'est pépite. Parce qu'il faut savoir que quand on est en objectif perte de poids, le sommeil est un facteur très, très important pour la perte de poids. D'ailleurs, je ne me suis toujours pas pesée. D'ailleurs, moi qui suis accro à la balance normalement H24, je ne me suis pas pesée depuis 15 jours. Je ne sais même plus combien je faisais la dernière fois. Il faut que je regarde là dans mes vidéos où j'avais fait toutes mes photos. Je ne sais même plus combien je faisais la dernière fois que je me suis pesée. Je crois que je faisais 80 kg. 200, 800. I don't know, je ne sais plus. Donc, il faudra que je regarde. Et de toute façon, vendredi, je vous ferai un petit point. Je vous ferai un petit point de vous dire ce qu'il en a été, la catastrophe, que ça a été ou pas. Après, je me sens pas plus enflée que ça. Donc, je suis pas sûre d'avoir repris 500 kilos, malgré que franchement, je mange vraiment tout moi, et n'importe quoi depuis quelques jours. C'est une catastrophe. Tu as fait mes tartines. Ah, tu me les as bien grillées, tu veux dire. Merci, ma fille. J'ai pas fait mon café. C'est pas possible d'avoir un cerveau comme ça. Donc, je vais faire mon café. J'ai tout allumé et tout, j'ai pas fait. Hein. Tout va bien. Bref, et donc du coup, ouais, je vous ferai un petit point pour voir un petit peu le carnage. Ça me fait peur et à la fois, je me sens pas plus gonflée dans mes fringues ou quoi que ça. Je pense pas que j'ai repris beaucoup. Si j'ai repris, on verra bien. Comme ça, tu peux voir. Bon, allez, bref.
Je vais donc me faire pour ce matin deux petites tartinas de pain de mie avec un petit peu de beurre léger et un petit peu de confituras. Et ce sera très bien pour ce matin. Moi, je suis tout fait moi-même. Je vais prendre un petit... Ouais, je vais me prendre un petit nature... Regardez, moi j'ai des tartines. Elle est en train de se faire ses tartines, regardez. Au Nutella, madame. Avec un chocolat chaud. Avec un petit chocolat chaud. J'ai pas mis le sucre. Je vais aller chercher le sucre et je vais aller chercher mon yaourt. Déjà sucré, c'est maman, ça que je voulais dire hiver, à la base. En hiver, oh là là. Intérêt à acheter des chamallows pour qu'on fasse des chocolats chauds avec des chamallows. Ouais. Et de la chantilly aussi. Chantilly, chamallow. C'était trop bon. Pour les vendredis soirs ou les samedis soirs. Je me rappelais ce jour. Mais en fait. Il y a un petit peu beaucoup de Nutella là, madame. On va peut-être se détendre du slip. Ouais, tu sais. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Bon allez, je viens de finir mon aspirateur, j'ai mis une vie parce qu'en même temps je répondais aux équipes. Tout ça, j'ai noté les zooms de formation qu'on avait et tout. Donc, je vais me mettre sur le montage du vlog de ce soir parce qu'il serait un petit peu temps. Et encore, ça va, j'ai pas beaucoup de choses à monter parce qu'il est assez court comparé au précédent. Donc, je suis contente. Voilà, j'ai noté tout ce qu'il fallait. Il faut que j'aille amener un truc à Andrew, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il faut que j'aille faire le paiement de... la deuxième fois de mon ordi, mais je pense que ça on le fera cet après-midi quand on sera rentré tranquille, etc. On ira dans l'après-midi, comme ça au moins on mange tranquille, le temps que je fasse voilà les petites mouillettes pour les œufs à la coque et tout. De toute façon on n'est que tous les trois, donc ça va aller relativement vite. Ça va, tu te grattes mon chien. Donc voilà, bref, allez, j'avance un petit peu ça avant d'aller chercher Myron. Il nous reste une vingtaine de minutes avant de décoller, donc. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Les amis, il est 11h30, on est rentré. Bon, là on a récupéré Myron. Je viens de mettre ma petite eau à bouillir. J'ai coupé mes petites tranches de pain de mie. C'est au four. Le chéri, lui, je pense, va finir les lentilles d'hachées d'hier soir. Et moi, je vais m'en mettre de côté pour moi ce soir, et je pense que ce soir je leur ferai des quiches. Je pense que je leur ferai ça. Je vais remettre mon plateau de micro-ondes que ce matin j'ai nettoyé à l'intérieur. Voilà. Et écoutez, ben voilà, c'est tout pour le moment. On va manger, ce sera déjà une bonne chose de faite. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de regarder en même temps vos petits messages que vous m'avez laissés sur la vidéo précédente, donc déjà merci à toutes et à tous de me mettre des petits messages parce que ben, j'aime bien discuter avec vous. J'aime bien venir tchatcher un peu avec vous en commentaire, etc. Et il y a ma petite Josette. Voilà, donc si tu regardes ce vlog et que tu passes par là, Josette, je t'ai envoyé un mail sur tes deux adresses mail que j'avais parce que je n'ai plus ton numéro de téléphone. Il y en a une, ça m'a dit que l'adresse mail, elle n'était plus valide ou je ne sais pas quoi. Et une que j'avais envoyée sur l'adresse de ton mari. Je ne sais pas si tu as encore accès à cette boîte mail, mais en tout cas, je t'ai envoyé un message. Donc, je te remets un petit message juste là avec mon adresse mail. Comme ça, tu peux m'envoyer un petit message et qu'on puisse voir ensemble ce que tu m'as demandé par rapport à tes cheveux, tout ça. Donc, voilà, je te fais ce petit message-là parce que je ne suis pas sûre que tu auras vu ma réponse à ton commentaire. Bon, bah, du coup, tant que ça bouge, ça, je vais continuer à monter le vlog. Et puis je vais aussi répondre à vos commentaires sur YouTube. Voilà. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best. Bon, du coup les amis, il est 3h-10. Charlie vient de nous dire vous pouvez décoller. Donc hop, on décolle. Malice est toujours en pyjama. Elle n'a pas voulu s'habiller de la journée. Elle m'a dit maman c'est mercredi. Genre me saoule pas. Donc elle est toujours en pyjama. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vais vite chercher Shirley et puis ensuite je les pose et j'irai vite faire les deux conneries que je dois faire. Je dois déposer un truc à Andrew, je dois m'arrêter payer la deuxième partie de la réparation de l'ordinateur. Et c'est quoi déjà que je dois faire aussi? Ah punaise, ton livre, je ne me rappelle plus le titre. Cette
Les 7 comptes de Michel. Michel comment? Maman, tu l'as marqué. Bah ouais, mais j'ai laissé l'agenda à la maison. Non. Très pratique. Ouais, tu t'enverras. Tu m'enverras. Bon allez, let's go. C'est parti, mon kiki. On va chercher Shirley et après je file faire tout ça. C'est parti les amis, let's go, je sors du netto. Maintenant je rentraxe à la maison. Je vais préparer prendre la douche à Maïlis, déjà dans un premier temps. Ça dépend l'heure qu'il est. Bon, avec 4h10 elle va goûter. Donc pendant que je vais faire une première quiche, elle va goûter et puis j'irai lui prendre la douche, lui laver les cheveux et tout vu qu'on est mercredi. Et puis je ferai au fur et à mesure les quiches. Voilà, je vais lui faire elle une petite pizza jambon fromage toute simple, parce que sinon elle ne mangera pas. Une quiche Lorraine. Et puis le chéri, je vais lui faire une au thon et à la tomate. Voilà, comme ça au moins on sera bon pour ce soir. Et puis j'attaquerai ça bonne heure comme ça après. Ben, apparemment en plus Charlie ne travaille pas ce soir, elle m'a dit. Donc ça c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir se caler bonne heure. Même si ce soir on a un zoom important, c'est pas grave. Ah non, c'est demain. C'est même pas ce soir en plus, je crois que c'est demain. Donc ce soir, tranquillou, c'est cool. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to... Bon! Bouge petit cafard. Alors il est parti. C'est au chien qui parle, ce n'est pas à moi. Moi, je me suis fait un petit, vous savez, les petits smoothies là dont je vous parlais. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre l'eau. Non, mais je vous jure, maman. Yeah, maman. N'importe quoi, elle est en train de gonfler. Du coup, je suis en train de faire à manger. Voilà. J'arrive pas à ouvrir mon cœur d'une main, tu peux m'ouvrir. C'est pas bon, c'est juste. Donc, je vous disais que je m'étais fait mon petit smoothie parce que je commençais à avoir un petit creux. Et je ne veux pas craquer sur n'importe quoi avant de passer à la table. Donc, ça. Ça va me caler, ça va nettoyer un petit peu aussi. Parce que clairement, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai bien repris à faire attention. Mais voilà, les autres jours, c'était catastrophique, comme je vous avais dit. Donc, à midi, j'ai mangé 3 œufs, comment ça s'appelle ? Des œufs à la coque. J'en ai mangé 3 avec 3 tartines de pain de mie que j'ai coupées en tranches, tout ça, machin. Ça m'a bien calé. Mais bon, après, voilà, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de machin. À la base, ce soir, je voulais finir les lentilles. Avec la viande hachée, enfin en prendre un petit peu, pas finir parce qu'il y a encore un petit peu entier. Mais je voulais finir ça et puis tout compte fait, je pense que je vais finir la soupe. Comme ça, ça fait un petit peu de verdure, un petit peu de... Vous voyez, pour mon estomac, ça va lui faire du bien. Et demain midi, on finira avec le chéri parce que demain, il est en repos, il ne travaille pas. On finira les lentilles viande hachée. Voilà, là, je vais faire la petite pizza pour Maïlis. Il y a la quiche du chéri, comme vous avez vu, qui est déjà au four que j'ai faite. Et après, je ferai vite fait la quiche Lorraine. Et voilà, on sera bon. Bref. C'est pas super excellent quand même ce truc. Mais franchement, ça passe. J'ai connu pire. Ben, dans mon ancienne société, il y avait le... Comment ça s'appelait? Le balancède, je crois que c'était. Le balancède, un truc comme ça. Qui était un peu de la même couleur, etc. Ça avait un peu le même goût, mais en plus fort, je trouve. Là, il y a... Je sais pas, il y a un goût comme pas sucré, mais ouais, qui tire plus vers le sucré. Il y a le goût d'épinards, mais déjà, moi, j'aime les épinards, donc ça me pose pas de soucis. Clairement, j'aime tous les légumes verts, donc franchement, il n'y a aucun souci. Mais je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Alors, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que c'est qui ressort comme ça. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Je vais faire la petite pizza de Maïlis. Et après, je vais y prendre la douche, etc. Parce que c'est le lavage de tête. Vu qu'on est mercredi, il faut que je me lave les cheveux, moi aussi, d'ailleurs. Donc, je pense que j'enchaînerai avec elle juste après. Selon la cuisson de la quiche au chéri, on va pas la laisser gramer quand même. Et voilà. Allez, je fais sa petite pizza jambon. Alors elle, c'est de tomate, jambon, fromage râpé et basta. Elle aime pas les champignons, elle aime pas rien, celle-là aussi. Donc on va faire un truc qu'elle aime. Moi, je suis sûre qu'elle mangera. Voilà. Bon, vous nous voyez dans le noir. Bah ouais, c'est mieux. Regardez-moi là. Mais je rêve. Ça, en même temps, t'as pas mangé en rentrant. Hein. Ouais, bah tu abuses, hein. Parce que t'es dans le froid et tout quand même. Hein. Je devrais manger, hein, normalement. Bon, bref, du coup, on va manger. Il est 7h un petit peu passé. Alison est rentrée. Charlie va pas tarder. Et... parce qu'elle travaille pas ce soir, donc elle est partie voir une copine. Et moi, je suis trop contente parce qu'il y a 2 nouvelles personnes qui rejoignent l'activité. Voilà. Je viens de les appeler.
Et elles sont ravies, elles sont emballées. Donc, elle signe. C'est parti, mon kiki. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est un comme ça, un comme ça. Ben voilà, hein, écoutez. Du coup, je vais m'occuper de tout ça. Leur envoyer les mails de bienvenue, les ajouter au groupe, tout ça, tout ça. On va faire leur démarrage tranquillou-bilou. Et voilà. Je suis trop contente. Bon, bref. Allez. Je ramenasse ça. Oh! Moi, je crois que je vais me faire souffler la soupe. La souplette. Allume ma pizza. La souplette. Ma pizza. Comme si tu allais genre la manger entière. Tu peux allumer la lumière, ma bébé, s'il te plaît. Tiens, Myron, enlève les dessous de table, s'il te plaît. On va décaler aussi parce que sinon il va y avoir des trucs dedans. Bon, bref, du coup, on va manger. Alors, on vous dit à demain. Voilà, passez une très bonne soirée. À demain. Non, après, j'ai encore du travail. Ah, Nasser lui a donné sa montre parce que du coup, il s'en est commandé une un petit peu comme celle-là. Bah, c'est celle qu'on avait avant. Hein. Donc, il lui a donné. Tu as mis l'application sur ton téléphone et tout. Du coup, ouais. Tu vas avoir le nombre de pas que tu fais par jour. Bah, tu ne vas pas en faire des masses. Hein, parce que tu es un petit... pas, moi, j'ai mis objectif. Oui, mais tu as les frappes. Ouais, tu es à l'école, mon cœur. Tu es assis presque toute la journée. Bon, bref. Allez, on vous laisse. On vous fait des gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée, une très belle nuit. À demain. Juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.